Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, nouvelle vidéo qui m'a fait rire. Donc, je vais vous la partager. Donc, c'est de l'autodérision. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils vont bien rigoler. Donc, c'est sur Zlatan. Donc, moi, j'aime beaucoup Zlatan, la mentalité Zlatan. Donc, je suis en train de lire un livre, moi, Zlatan Ibrahimovic. Donc, pour comprendre son histoire. Donc, il vient de très très bas, il est monté très haut et j'aimerais m'en inspirer. Et en fait, pourquoi? Donc, en fait, vous allez voir. Donc, moi, à l'origine, je voulais avoir le Covid. Donc, moi, j'ai jamais eu peur du Covid. Et je voulais l'avoir pour ne pas avoir à faire le vaccin. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, même avec la fièvre et tout, j'étais pas en panique. Et cette vidéo me fait penser à mon attitude face à la Covid. Donc, autodérision, j'espère que ça va vous faire rigoler. Chaque année, près de 6 millions de Français sont touchés par la grippe. Très vite identifiable par ses symptômes, maux de tête, toux, éternuement et fièvre. Le virus de la grippe pénètre dans l'organisme avant de se reproduire et de se disséminer dans tout le corps. Une fois le sujet infecté, il devient à son tour contagieux et aide ainsi le virus à poursuivre sa propagation. Mais il arrive parfois que le virus fasse une rencontre inattendue. T'es pas tombé sur le bon bonhomme. Attention, seul Zlatan peut zlataner la grippe. Pour les autres, allez vous faire vacciner. Donc j'espère que la vidéo t'a fait rigoler. Donc c'est de l'autodérision. Et comme tu sais, je propose des cours de maths à distance sur 3 et agglomération. Donc si tu veux m'aider à devenir le Zlatan des profs de maths, hein, je te demande de visiter ma chaîne YouTube en cliquant ici, de t'abonner, de partager à grande échelle mon compte TikTok, Snapchat et YouTube. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.